Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ma cuisine. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais faire dim semaine farci. Pour les ingrédients dim semaine farci, de la semoule extra fine, 200 grammes, 200 grammes de samida, raqiqa, le fino. Trois cents grammes de farine, 300 grammes de farine, un petit peu de sel, chouïa melh, trois cents millilitres, 310. J'ai mis un petit peu d'eau, des fois il manque, des fois il manque pas, 310 millilitres, 110 millilitres ou 110 grammes. Mais d'affi, pas trop chaud. De l'eau tiède. Moi, j'ai pris un petit peu de la levure boulangère. Et une graine de pois chiche. Si on met beaucoup de levure, la pâte va gonfler et on peut pas faire dim semaine. Aujourd'hui, je vais travailler avec la main. Il a un coup, la jana, dérou la jana. C'est plus facile. Elle a un dé, mais j'aime bien travailler. J'aime bien la jana, la jina. Une petite cuillère à café de sucre. De la levure, chouïa nta al-khamira. Du sel. Khamira et un petit peu de sucre que je mets. Mettre de l'eau. Et je vais mélanger. Les ramasser. Je vais aller travailler un peu sur le plan de travail. Voilà, je l'ai travaillé pendant 6 minutes. La pâte, elle est bien travaillée. Je vais la mettre dans un congélateur. Et je vais la laisser jusqu'à ce que je prépare le hachoua, la farce. J'ai pris des légumes. Je l'ai coupé en petits morceaux. Je vais les hacher. J'ai pris deux poivrons. Une rouge, une vert. J'ai pris le basal. 3 habbat basal. Et 4 tomates. J'ai pris la poêle. Je vais mettre de l'huile. 4 cuillères à soupe d'huile.
بصل، جي عشي، ام فلفل، فلفل كي جي عشي وسي، un peu de l'ail, un peu de paprika. Ça, c'est du piment de Cayenne. Ça pique trop. Je mets qu'un petit peu. Et je vais le laisser cuire. Je vais stopper la recette et je vais les couvrir et je vais les laisser 10 à 15 minutes. Prends la pâte, étaler la pâte, un petit peu d'huile. Je vais les couper à deux. Voilà, j'ai coupé à deux. Je mets comme plus, comme zaïd. Et je vais mettre le hachoua au milieu pour que ça ne sorte pas. Un peu de gruyère. Un chouïa. De la farce, 2 cuillères. Je l'ai laissé à berdette. Vous les laissez refroidir. Des mozzarella. Et je vais mettre moi j'ai fait un autre système pour le hachoua ma tkhrach. Là, j'ai mis des carrés. نار متوسطة جي في المسمن عادي
comme on fait l'habitude, je mets un peu de gruyère et au milieu, je vais mettre le hachoua. 2 cuillères. Le mozzarella, il est tient en rondelles, mais j'ai coupé un peu carré. Et j'ai rajouté les petits morceaux que j'ai coupés. J'ai rendu une partie. Et je reprends l'autre partie. Comme ça, on a les deux côtés couverts. Voilà, le msemmel aadi. On le tourne une fois et je vais mettre un peu de gruyère. Ça, c'est le plus facile. On met le hachoua, mais on laisse toujours un petit peu qu'il ne sort pas. Et là, on va tourner la pâte. On va fermer un petit peu sur le côté. Et ça, c'est le plus facile de faire la farce. Et qui fait le qarsou le msemmen chouïa, on le met, on le puise sur le bord pour le hachoua, mach ma tchourche. Et voilà le msemmen farci. Et bsaha ou raha, et bon appétit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.